Avant de commencer cette vidéo, on a une bonne nouvelle. Il y aura une détection pour faire partie des CDM pour la saison 2024-2025. Et oui, et ça va se passer jeudi 13 juin, ce jeudi-là. Donc n'hésitez pas, vous habitez dans le 93, dans le nord de Paris, dans le sud de Paris, en Ile-de-France. Venez, vous savez jouer au foot, venez de 18 à 38 ans, vous êtes les bienvenus. Vivre une aventure exceptionnelle, comme vous le voyez dans les vidéos, ça sera vous. Jeudi à 20h au stade Jean Guimier, 15 rue Pasteur, 93 230 à Romainville. Maintenant, je vous laisse avec la vidéo. Salut à tous. Avant que la vidéo commence, je vais vous expliquer l'importance de ce match. Alors, comme vous le voyez au classement, Romainville est premier avec 57 points et Tremblay est juste derrière avec 55 points. 2 points de retard. Romainville va jouer à Duny contre Duny. Duny qui a battu Benfica 6-1. Et Tremblay va se déplacer à Villepinte dans un match assez simple pour eux. Et donc, l'équation, c'est quoi? Romainville est dans l'obligation de battre Duny à Duny. Sachant qu'un match nul n'est pas suffisant car Romainville a perdu 3-0 contre Tremblay et Romainville a battu Tremblay 3-1. Goal average particulier, malheureusement, c'est pas suffisant. Une défaite, bien sûr, c'est la fin. Donc pour le titre de champion, Romainville doit avoir 60 points pour clore les débats et finir champion et monter en régional et laisser aucun espoir à Tremblay. Mais ça, c'est la vidéo qui vous le dira. Bon messieurs, je vous présente pas l'enjeu de ce match aujourd'hui. Ce match-là, c'est le match qui vaut 60 points. D'accord, 60 points, c'est le match qui correspond à être champion. Aujourd'hui, c'est un match de champion, aujourd'hui, c'est un match de fête. Aujourd'hui, c'est un match où on doit faire le travail comme on l'a fait lors des 16 derniers matchs. Si on gâte ce match, autant vous dire que ce qu'on a fait, toutes les vidéos, les rigolades, les glissades, les embrouilles, les prises de tête, les 16 derniers matchs, ça ne servira à rien. D'accord ? Ce qu'on a fait durant cette saison, c'est exceptionnel, c'est beau. On est un groupe, on est solide, on est solidaire. Ok ? Aujourd'hui, il faut que ce match reflète ce que vous êtes, ce que l'on est, d'accord ? Durant ces 16 derniers matchs, durant toute cette deuxième partie de saison. Ok ? On a fait quelque chose de beau. On n'a pas le droit, il est interdit, c'est péché, c'est haram, c'est ce que vous voulez, de gâcher ce qu'on a fait là durant ces 5-6 derniers mois. L'adversaire, c'est qui ? C'est Duny. On rentre sur le terrain avec les idées claires, les gars. Cet adversaire-là, ce profil-là, on ne l'a jamais eu. C'est un adversaire qui est, revanchard. Revanchard de quoi ? Revanchard de plein d'histoires entre Duny et Romainville. Revanchard de ce qui s'est passé au match aller. Avec l'histoire des 9 joueurs, un arbitre, 10, etc. Ils le veulent, ils n'ont rien à jouer les gars, mais ils ont la dalle et ils veulent gagner ce match. Ils veulent nous faire tomber. Ils veulent nous faire tomber. C'est-à-dire que c'est la seule équipe durant les 16 matchs qu'on a fait, je crois là, on a fait 16, qui peut nous faire tomber. Qui a l'occasion de nous faire tomber en tout cas. Il ne faut pas qu'on leur donne cette occasion-là. Ils ont mis 6-1 à Benfica. Mais de l'autre côté, ils se sont fait taper 3-0 par Pantin. On est l'équipe la plus forte. Vous êtes plus fort qu'eux. Donc ça, enregistrez-le dans vos têtes, imprimez-le, et faites-leur bouffer le gazon, bien écrit Romainville. Ici, on est chez nous, les gars. Moi, j'ai rien à rajouter de plus pour ce qui est l'envie, la détermination. Moi, je veux juste vous rajouter quelque chose. Aujourd'hui, ça va être encouragement à 100%. Vous avez vu votre fierté, votre truc, vous la mettez où vous voulez pendant 90 minutes. Votre fierté entre vous, vous la mettez dans où vous voulez. Mais pendant 90 minutes, je veux voir des potes, des mecs qui n'ouvrent pas leur bouche, qui sont là à part pour ouvrir leur bouche, c'est des conseils ou des encouragements. C'est la dernière ligne droite. Vous êtes à 90 minutes du titre. 90, pas plus. Pas moins pour ça. On doit se donner à 100% pour le groupe. Les gars, vous avez touché 3 ballons dans le match. Si derrière la victoire, si vous voulez la victoire, si vous avez 3 ballons, c'est les 3 ballons où 100% de réussite. Les gars, normalement, c'est la dernière fois que je suis coach ici. Ça fait 16 matchs, les gars, qu'on n'a pas perdu, Momo et moi. Ok ? Vous n'avez pas le droit, les gars, de me faire partir avec une défaite. Après ça, c'est entre vous et vous. Mais si vous voulez me faire un cadeau, parce que je vous ai rien demandé durant toute cette putain de saison, un seul cadeau à faire, c'est de gagner, les gars. C'est juste de gagner. Le reste, c'est entre vous et vous. Les gars. Bon match. Allez, 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 allez. Les gars.
Les gars, à l'issue de ce match, il y a le titre de champion. Donc agissez sur le terrain comme des champions et l'attitude de champion. Et cette récompense, il n'y a personne d'autre que vous qui pouvez vous la donner. Personne ne va venir vous donner cette récompense. C'est vous qui vous la donnez vous-même. On se la donne individuellement, on se la donne pour le groupe. On n'a pas fait tout ça, les gars, on n'a pas fait tout ça, cette remontée, qu'aujourd'hui, on redescende. C'est pas possible. Franchement, c'est pas possible. Donc là, on va s'échauffer. On s'échauffe sérieusement, en groupe. Je veux voir personne à droite, à gauche toucher le ballon. On touche pas le ballon, on s'échauffe, et après, on touchera le ballon, les gars. Allez, c'est parti. Allez les gars, allez hein. Allez Arsenal. Allez Kossi, allez. Cure. Allez les gars, allez. Faites-nous vibrer. Parapluie ? Ah ouais, t'as tout prévu. On sait jamais. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders. Like moving boulders just to get out of the home. It sucks, I've had enough. I don't wanna feel the stuff. Under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares in my head. I feel thoughts good and I'm dead. But my mind feels like it's a creature. Je sais qu'on est capable de gagner aujourd'hui, je sais qu'on est capable de marquer. On essaye de tirer. C'est pas notre point fort. On tire pas beaucoup pendant les matchs, mais on essaye de tirer. Ça fuse, hein. Ça fuse beaucoup. Allez-y, allez-y, arrêtez d'hésiter. Allez-y. Ça se joue sur un détail. Il faut que le détail soit de notre côté. Et pour ça, il faut le mettre de notre côté. C'est une saison, hein. C'est une saison, elle se voit. Un détail. Un détail, une course, un marquage. Surtout marquage. Marquage, les gars, on peut pas se faire baiser. On peut pas baiser. Faut rien laisser au hasard. Vous avez vu comment c'est fait avoir. Les gars. Vous savez comment on s'est fait avoir à Drancy, surtout sur les corners. Arrêtez de faire de la zone. Chacun un joueur et chacun prend ses responsabilités. Si je dis je prends le 7, je prends le 7. Si je dis je prends le 10, je prends le 10. Et jusqu'à la fin, il bouge, je bouge. Ne me dites pas, ouais, mais je suis à 1 mètre de lui, 1 mètre 50. Non, collez-le. Ressentir son parfum aujourd'hui. Ok, les gars ? Ouais. Allez. Dernier. Allez, les gars, allez, allez, allez. Allez, les gars, allez. Lâche. Là ! Ouais, c'est bon, tourne-toi, tourne-toi. Ouais, c'est très bien. Ouais, on est bon. Bien joué, Allez, 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 allez,
Allez, le cœur, allez, 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 allez. Envoie un petit chercher le ballon là-bas. Envoie quelqu'un chercher le ballon là-bas. Vas-y, c'est la première grève. Sans faute, mon gars. Sans faute, sans faute. Vas-y, Toufi. Bien joué, Toufi. Place en bonhomme. Vincent, reviens. Il veut juste qu'il la rouge, bah, il voit pas l'arbitre. S'il voit pas nous, on va le montrer. Oh, monsieur l'assistant, là. Monsieur l'assistant, vous avez tout vu. Vas-y, se couler, c'est fini. Pareil. Les gars, désolé, mais ils sont pas meilleurs que nous. Vous savez, c'est quoi la différence entre eux et vous? On dirait que c'est eux qui jouent le match de la montée. C'est la différence. Ils ont rien à jouer. On dirait que c'est eux qu'à la fin du match ils ont le titre. On est trop dans la suffisance, les gars, wesh. Eh, vous êtes suffisants. J'ai fait ce que j'ai à faire, pas plus. Eh, là, on vous demande pas ça. Là, on vous demande de. Eh, ils vous lâchez pas, votre joueur. Vous le lâchez pas. Sur les deux buts, pourquoi? Parce qu'on laisse trop d'espace. Trop d'espace. A chaque fois, il sera trois d'un coin ou de l'autre. Il faut circuler. Il y en a un sur les trois. Il y en a un sur les trois. Vous êtes dans la suffisance, les gars. De la suffisance dans ce match-là. Ce match-là, c'est interdit. C'est pas normal. Eh, vous n'avez pas de match après celui-ci. C'est le match le plus important de l'année. De l'année. Les gars, après ça, c'est fini. S'il faut se blesser, s'il faut se déchirer, s'il faut se tuer, on se tue. Mais putain,
Vous ne donnez même pas envie sur le banc, dans les efforts. Je parle dans les efforts. Parce que quand on a le ballon, on le fait bien. Quand on a le ballon, on le fait bien. On les a mis en plus, on les a mis en danger plus que nous, on a été en danger. On s'est mis en danger. On s'est fait peur. On leur a donné. Sur des exploits individuels. Aussi. De leur part. Mais on n'a pas le droit de laisser d'espace comme ça. C'est ahurissant que l'espace qu'on laisse au milieu. Au milieu ou derrière. Je prends l'exemple de l'onopathe. Le neuf, il circule et vous le laissez entre vous deux. Il n'y en a pas un, il se dit, on va resserrer entre nous deux. Mais putain, les espaces comme ça, non. Non. Les gars, la deuxième mi-temps, faut se déchirer dans les efforts, les gars. Faut se donner à 100%. Les gars, quand vous les enfermez, quand Anis et Hadji, ils déclenchent, les seules fois ils l'ont déclenché, on l'a bien fait. Eh ben, faut continuer, faut serrer côté ballon. Parce que les milieux, ils vont toujours du même endroit. Les 3, le 6, le 11, le 8. Ils vont toujours au même endroit, ils vont ensemble, ils vont côté ballon. C'est là où on doit profiter, les gars. C'est là. Les gars, il y a 2-0. On l'a déjà fait. On va redescendre un petit peu en pression, d'accord? Il y a 2-0. Dans l'ensemble, ce qu'on a fait, c'était pas dégueulasse. On laisse des espaces. On joue un peu avec la peur. Peur de que la balle passe sous la semelle. Ça glisse. Là, il reste 45 minutes, les frères. 45 minutes de guerre. Et quand je parle de guerre, on n'en a jamais fait une comme celle-là. 45 minutes où il faut leur rentrer dedans. Il faut les faire sortir de leur match. Il faut les faire sortir de leur match, les gars. Il n'est plus question d'avoir peur. Il n'est plus question de bégayer. Il n'est plus question de mettre un demi-pied. Il est question de communiquer et de leur rentrer dedans. Il n'y a pas 10 000 choses à faire, les gars. On a confiance en CK, on a confiance en Adil. On a confiance en tous les membres de l'équipe. 2-0, c'est rien. En 5 minutes, on peut rattraper ça, les gars. C'est juste que là, ils sont sur un petit nuage. Et nous, on refait la même erreur qu'on a fait contre Drancy. La même erreur. On balance, on va vite, on n'est pas sûr, on écarte. Les gars, calme. Croyez en vous, les gars. Là, il reste 45 minutes. 45 minutes, et ces 45 minutes-là, là, si vous faites cet exploit, les gars, ça a du goût, ce qu'on fait. Si vous faites cet exploit, ça a du goût, ça a de la valeur. Et là, on est prêt pour l'année prochaine. Juste, les gars, quand ils parlent de goût, on dirait là, c'est fade. On dirait on est médusé. La vérité, on est médusé. Moi, je... Vous jouez avec la peur. Vous jouez avec la peur. On n'a pas de caractère, en fait. C'est ça qui me dérange le plus, on n'a pas de caractère. C'est des petits. On n'a pas de caractère, on dirait, je sais pas, on a peur, je sais pas, on dirait, on n'a pas envie. Arsène, il a donné sa tête. Arsène, il a donné son corps. S'il vous plaît, on peut pas tout niquer comme as, s'il vous plaît. On peut pas tout niquer comme as. Pas de peur, les gars, pas de peur. Aucun regret. Mais on peut pas tout niquer. Les gars, pas de peur. Ça fait combien de temps on gagne? Arsène. Là, pour ça. Sérieusement, s'il vous plaît. Après, le score, il sera ce qu'il sera, mais s'il vous plaît, bien, on la joue. On a joué à moitié, à peine. Vous voyez l'action de Toufik où il part tacler, etc. J'en veux 11 comme ça. Là, on rentre, on leur met un nouveau tempo, les gars. Quand je crie on sort. Les gars, c'est entre vous et vous. Allez. Les gars, ça va le faire. Mario, c'est maintenant, frérot. Mario, c'est maintenant, poto. Te force pas, fais ce que tu sais faire. Ne te force pas, fais ce que tu sais faire, frérot. Tu vas en avoir des ballons, mon pote. C'est maintenant, frérot, lâche-toi. Ça y est, oublie tout ça. T'as 45 minutes, amuse-toi, frérot. Amuse-toi, mon pote. Wallah, amuse-toi, t'as rien à perdre. Cherche Mario et moi, mon frérot. Une fois que t'as fait la page, je sais que c'est dur. Mais fais l'effort pour monter avec le mec. C'est Vincent devant, frérot, c'est dur. Hein? Je vais trop l'effort, là. Ouais, je sais, mais voilà. Je vais faire. Allez, c'est maintenant, les gars. Allez. Vite, rapproche-toi, vite.
Approche-toi, Ami. Allez, les gars, continue. On va l'aider. C'est maintenant. Descends. Allez, Vincent. Bien joué Vincent. Bien joué Vincent. C'est ça. On continue. On continue. Lève pas les bras, lève la tête. Mario, regarde la mancade. C'est dans la tête, ma gueule, y'a rien. C'est pas le moment où je vais se lever les bras. Il en faut une juste. Ça va rentrer, Moumou, ça va rentrer. C'est toi qui vas la mettre. Eh Mario, la prochaine c'est toi. La prochaine c'est pour toi Mario. Allez vite. C'est ça, Vincent, c'est bien. Bien joué. Bien joué. Ah, je l'ai envoyé en lui, carton. On va plus haut, Momo. Et maintenant, aussi. Bien joué, Zika. C'est ça, Zika. Mario, Mario, les gars. Mario. Allez CK, t'as un patron mon ref, allez, allez. Il a mal CK. C'est une rentrée. Merci. Ah, il a deux qui sont au sol. Vas-y, viens voir.
Patrice, tout pique, il a la balle, avance. Frérot, on va passer en 4-2-4. Toi et TK au mitard, eux deux sur les côtés, les rapides. Afem et Vincent en pointe. Afem, t'es en pointe avec Vincent, à deux. Ok. On va gagner. Ousmi, tu vas passer arrière. Bah, attends. Je vais te dire, tu vas passer arrière gauche. Attends. Tu passes, vous êtes à 4 devant. Toi à droite, Momo à gauche, t'as deux attaquants. Afem, accélère, frérot. Placez-vous, bloc, on a vu. Mario, tout de suite. Chasse-le. Sortez, bleu, sortez. Prépare-toi. En fait, c'était pas le moment de but de la victoire. Stop. Et désolé d'avance. Voilà. Momo, il y a trois attaquants devant toi. Ah ? Je sais quoi ? Ouais. C'est Ousmi, Toufik. Toufik ! Le numéro, s'il vous plaît. 7. Toufik. Ousmi ! Kossi ! Patrice ! À 3 ! Au milieu, 5 ! Devant, 2 ! Anis, tu prends le couloir ici, frérot. Tu prends le couloir. Ouais, piston. Momo ! Piston gauche ! Et Mario ! Au milieu ! Axe 10 ! Anis, descends, c'est ça. Descends, continuez à faire. Ouais, c'est ça, les gars, montez. Anis, laisse. Accélère, Anis, accélère. Je sais qu'il y a la patience. Il faut y croire, les gars, allez. Allez. C'est maintenant! Continue, Alice! Boum! Les gars, au centre! Allez. Salut! Alice! Montez! J'ai l'air droit derrière Ousmi. Vas-y, Afen, vas-y. Merci, Afen. Hey, les gars, il est tout seul. Chasse. Fais l'effort, Anis. Ah, regarde. Il reste combien de temps, Momo ? 200 minutes, 100 points additionnels. Deux ? Ok. Ah. Un changement, frère. Tu demandes aux soigneurs, c'est une crampe. Tu ne demandes pas les soigneurs pour une crampe. Patrice, c'est l'arbitre, c'est du vice, ça. C'est une crampe, on ne demande pas les soigneurs. C'est l'arbitre. Faut le prendre en compte, ça. Mario, redescends. Récupère la balle. Reste au milieu seul. Afen, descends, Vincent, monte. Allez voir les gars. On rentre à 3 sur le terrain. Ça, il est assis. Non.
l'arbitre, regardez. Ah, ah ça c'est... Allez, on m'a vu. Hé, on m'a vu. C'est maintenant. Allez, stop. Vas-y. C'est ça. Vincent, écarte. Écarte. Suivez. C'est ça, les gars. Allez, Koussi. Alice, lève-la. Et Hamba Black, lève-la. Alice. Eh, c'est pas le moment. Alice, lève. Vas-y, vas-y, vas-y. Accélère. C'est pas le moment là, putain. Alice, à l'entrée, frérot, à l'entrée. À l'entrée, Alice. J'avais pas vu la grosse tête là. C'est là, mais c'est un but. Il reste au but. Cinq. Il y a mis combien? Trois. 3 minutes, c'est pas possible, 3 minutes. C'est la vie, c'est pas possible. Serre-toi là. Allez, les bleus. Allez. Il a compté, je crois. Allez-y les gars, hey, montez tous. Sans faute. Continue Anis, prends-le, prends-le. Allez, en plein. À nous. Bien joué. Allez. Vous êtes deux. Non. Y'a pas hors-jeu. Allez, deux. Va, Momo. Vas-y, Momo, reviens. Lâche, les gars. Tu l'as vu. Lâche, les gars, lâche. Pars, Momo, pars. En fait, c'était pas moi le but de la victoire. C'était pas moi. Voilà, c'était pas moi. Et désolé d'avance, voilà. Les gars, on se rassure tous, à peine que tu joues ton match. Oui. Aïd, choisis bien. Les gars, on s'assoit. Mario, côté gauche. Passe rien, on vous a dit. Allez, les gars, on descend.
Voilà, il y a 3-2, je viens de marquer. Voilà, ils ont des projectiles. Allez, allez. Il faut la paix. On va se poser, ça va. On va plus. J'ai peur. Parce que voilà. C'est de la grosse merde. Yeah c'est quoi, il y a des c'est champion. Putain. Coach, t'es promu. Champion, mon frère. On l'a fait. Voilà, je suis un match de merde. Désolé, les gars. Incroyable. Dembo, non, j'ai très chaud. On peut plus. Bien joué. Tu veux jouer à la vache? Hein? Hein? 2-0, on revient. 3-2, champion! Champion! La douleur est le tout. Je fais comme ça. On appelle ça SFN. SFN. Champion. Et on appelle ça une remontada. Une remontada. Même avec le coach, on a gagné. C'est mon numéro. Arrête. Attention, la barre, vous nous direz s'il y a humain ou pas. Mais moi, j'y ai pas mal. Mais comme d'hab, quand tu joues, tu marques. C'est devenu une habitude, merde. Merde alors. Mais là aujourd'hui, voilà. Il fallait y croire. Attends, attends, attends. Continue. Aujourd'hui, je vais mettre de côté. Mets de l'autre côté. Il va flouter. Ah, tu écoutes là. Juste regarde-le, juste regarde-le. Regarde-le amoureusement. Ouais, c'est ça. Il va refaire. Après, tu remets la vidéo. Alors, moi, j'ai fait la même chose avec lui. On ne faisait pas avant. Et après ça, on a joué notre jeu, on a eu... Cette entrée. L'entrée, elle était dure de jouer dans un match comme c'était ça. Dur, hein. Ah, c'était dur, hein. C'était dur, hein. C'était dur, fallait mettre de la patte. Fallait en avoir une, fallait la mettre. Une, fallait la mettre. Là, le mental. Là, le mental. Non, c'est parce que c'était dur cette année, c'était dur cette année pour lui. Mais ouais, il y avait de la concu. La passe. Et concu, et je finis quand même. Je fais pas la...
Deuxième exemple. Franchement, les deux entrées, je vais pas te mentir, les entrées là, les deux entrées, ça rien à dire. Vince, il est rentré, il a donné. Merci. Franchement, après la passe, ils nous ont sauvés. Franchement, un travail d'équipe. Parce que derrière, on était un peu fébrile aujourd'hui. Mais notre point fort d'habitude, la défense, mais aujourd'hui, on a été fébrile. Mais un match comme ça, c'est dur. Ouais, mais pour l'histoire, pour tout, c'est mieux. Les jeunes, ils courent vite. Ouais, j'ai vu, j'ai vu. Je te dis la vérité, les jeunes, ils courent vite. Champion, vous avez suivi toute la saison. Hein, vous en pensez quoi de ce match? Magnifique. T'as un micro, c'est bon. C'est un scénario incroyable. T'as kiffé? Qu'est-ce que vous avez le plus aimé du genre de match? Le troisième but. Qu'on a tous célébré. Ah ouais. Ouais. Ok. Deuxième mi-temps, première mi-temps, là. À la fin, on ne croyait pas. Hein, vous en pensez quoi à 2-0 quand on était dans les vestiaires? Qu'est-ce qu'il y avait dans votre tête à ce moment-là? On va pas revenir. C'est mort? C'est impossible. C'est cuit? Ouais. Pourquoi? Je sais pas. Hein.
c'est comme ça, c'est les émotions. La question, c'est que tout le monde se pose, est-ce que tu y as cru ? Franchement, j'y croyais. On va parler aujourd'hui à un homme qui a fait une entrée fracassante, Vincent. Vincent, attention à ce que tu vas dire. Très simplement, quelles sont tes sensations après ce match exceptionnel ? On a fait un bon match. Deuxième mi-temps de ouf. Franchement, dans l'impact, dans l'envie. Après mon entrée, j'ai essayé de motiver l'équipe. Okay. Voilà, ça a marché. Une passe décisive. Donc c'est bien, mon entrée, elle est là. Est-ce qu'on peut dire que tu y as cru dès ton entrée ? Ouais, moi je savais. Je savais que je pouvais apporter, j'avais que l'équipe pour faire quelque chose. Juste après un mi-temps, dans l'impact, ils ont un peu étonné. Mais deuxième mi-temps, on a haussé un peu, on a mis aussi le pied sur le ballon et on a montré que voilà. Il y a des bruits de couloir qui disent que tu es sur le point de signer dans un autre club au terrain. Est-ce que c'est vrai ou tu remplis l'année prochaine ? Non, c'est vrai, c'est faux. Je suis là. Pour l'instant, je suis là. Donc c'est bon, on peut confirmer une présence l'année prochaine. Ouais, je suis là. Ok, pas de mercato pour toi ? Non. Okay, c'est ça, première interview, enfin. Alias Momo, yeux verts, yeux bleus, yeux marron, on sait pas. Momo ! Qu'est-ce que tu penses du match ? Bah, comme d'habitude, réaction, mentalité exemplaire, rien à dire. Hein. De toute façon, je savais qu'on allait le faire, même à la mi-temps, quand on était mené, je savais qu'on allait revenir. Et puis, bravo à eux, ils ont fait tout le boulot. Hein. Bravo à eux, rien à dire, je suis fier d'avoir pu les aider et contribuer. Et puis, bah, tant mieux. Bon, maman, je me tire la serviette ou pas ? On a la raison. Le match, qu'est-ce que t'as pensé de ta prestation du match ? Je fais une prestation de merde, on les a tapés, je m'en bats les couilles. On les a tapés. À la prochaine, on est en région, les gars. Régional. L'année prochaine, tu remplis. Ah, je remplis, frère. C'est bon, tu reprends. Je remplis. L'année prochaine, je saute à deal. Il m'a dit quoi ? Il m'a dit, toi, tu vas marquer. Désolé. Désolé, j'ai pas compris, mais toi, tu vas marquer. Ah, désolé, c'est pour ça. Moi, je vais dire une petite vérité, tu vois. Et numéro 7. Oui. Vous la sortez d'où, cette vista, là, sur la passe ? Franchement, la vérité, hein. Très simplement. Je fais une première mi-temps dégueulasse. Dégueulasse, j'étais trop vert de moi-même. Et du coup, vous êtes lucide. Ah oui, parce que le coach sur le banc, je l'entendais parler. Attendez, c'est. Lequel ? Exactement, il disait, je vais rentrer à Fen ou pas, machin, qui est-ce que je veux sortir ? Est-ce que je veux faire rentrer ou pas ? À Fen, il rentre. C'est vrai, mais ça fait rentrer. Moi. Non, mais si, il va pas me faire rentrer. Ah, mon gars, attends. Il va me faire rentrer. La passe D, c'est la connexion. Vous, hein. C'est la connexion, c'est l'auto-école. C'est moniteur, c'est moto, c'est Staline Drive, mon gars. C'est Staline Drive, on dirait. Ça reste à la maison. On nous dit dans les coulisses, ouais. C'est l'autre fille, ouais. Que finalement vous allez prolonger. J'ai juste une chose à dire, cette complot là. C'est lui. Vous la vouliez, hein. En toute amitié footballistique, elle est à nous, elle restera à nous. Arbitre, par arbitre, à l'intérieur, à l'extérieur. C'est à nous, les gars, ça. Ça, c'est à nous. Et l'année prochaine, on aura la même. Tremblay, dédicace à personne. Ah, c'est vrai, vous étiez là. Les gars, c'est à nous, ça. Dédicace à ma maman, dédicace à mon fils, dédicace à toute ma famille, dédicace à Amine et Samir, dédicace à mon fils, tout le monde. Carrément, ça a descendu des seniors pour venir jouer avec des mecs de 38 ans. Et même comme ça, au tard. Ça n'a pas marché. Même comme ça, au tard. Ça marche pas. Au tard. Appelle-le même Mbappé, moi. Il vous a traité de chèvre. Vous savez, c'est comme quelqu'un de votre famille, vous l'aimez pas, mais quoi qu'il arrive. Qu'est-ce que je le kiffe. Quoi qu'il arrive. Qu'est-ce que je le kiffe. Il y a le lien quand même. C'est quand même mon petit frère. Mais il me coach, tu vois, je suis obligé de le respecter. Mais parfois, j'ai envie de lui casser sa gueule, la vie. Mais tout à l'heure, il nous a crié dessus comme si on était des Ulysses. Vous savez pourquoi il y a des choses que j'aime pas chez lui ? Parce qu'il parle trop. Mais moi, je t'aime comme ça. Je t'aime avec tes défauts, frère. Tu vois ? Aïe, aïe, aïe. Ah, je t'ai niqué ? Première mi-temps. Je t'ai niqué ? Merci. Il m'a rendu gueudin, première mi-temps. Ouais. C'est plus dégagement, là. Hein ? Mais est-ce que il a fallu te crier dessus. Attends, juste une question. Comme ça, deuxième mi-temps, Juste une question. Je suis d'accord. Balle au pied, j'étais pas bon. C'est une maigre. Est-ce que quelqu'un est passé ? Je suis jusqu'au bout. Attends. C'est véridique. Mais, viens. Il faut que tu te découpes un peu plus. Attends, Anis. Ouais, j'étais sérieux qu'on l'a fait interviewer encore. Jordan Jack. Le chouchou des nanas. Le chouchou des bilingues. Ah mon gars. Tiens, t'as deux micros. Qu'est-ce qu'on a pensé de ton match là ? Alors au début c'était compliqué, après un mi-temps on était mené. Attends, top. Tu fais le mec sérieux. Quel objectif. Alors, on fait une interview marchant. C'est pas une interro surprise. Alors. Au début du match, c'était compliqué. On perd 2-0, voilà, on revient. Tu gères la marche arrière, le ref. Exactement, c'est les créneaux, j'ai pas été formé à Stalingrad. Yes ! C'est encore un placement de produit.
Ok, du coup, bah après, on est revenu à la mi-temps. Les coachs nous ont donné des consignes. On les a appliquées, voilà, comme on pouvait. Et deuxième mi-temps, on a mis le paquet. Je voulais savoir, vous avez joué 9 dans votre vie parce que le jeu de corps sur votre but, c'est exceptionnel. Bah, en fait, je vous mens pas, je vais un peu tous les postes. C'est-à-dire que, voilà. Après, j'ai les consignes de mon coach ici présent. Et puis, j'ai appliqué, quoi. Est-ce que tu l'as dit? Tu dis ça? Ah, je l'ai dit, tu vois ça. Parce que l'action que j'ai mise sur le terrain là. Elle est. Il a la vidéo. Il a la vidéo. L'autre fille, champion, montée en régional et champion de D1. Après, je sais que tu m'as dit avec Momo, votre arrivée, vous étiez arrivé, Romainville était 10e du classement. Ouais, 10e avec deux matchs un ou deux matchs de retard. Exactement. 10e. Et là, premier champion. Il y a quoi à dire sur ça? Il n'y a rien à dire. On a un groupe de fous, un groupe de malades. C'est des potes, c'est des frères, c'est une dinguerie. Et quand je t'avais appelé, ça faisait partie des outils qui permettaient de motiver les gars. La mayonnaise, elle a pris aussi grâce à toi, Sofiane. Et tout le monde y a mis du sien. Et je me souviens que quand on était à Tremblay, après la victoire 3-1 à Tremblay, tu m'avais demandé c'est quoi la suite. Et maintenant, l'objectif concret, c'est quoi? Je veux dire, Sofiane, t'es là pour la remontée. T'es là pour nous suivre en régional l'année prochaine. C'est le titre, quoi. Ouais, c'est le titre. Je t'avais dit, Sofiane, c'est la montée, c'est champion, je sais plus. Et t'es là avec nous jusqu'à la fin. Et je suis content que l'objectif soit réalisé et atteint. Quatre catégories. Meilleur passeur, meilleur buteur. C'est toi. Le joueur qui a été élu meilleur joueur de l'année. Et dernier, c'est la révélation de l'année. D'accord? Et puis le meilleur passé avec le cerné à Adil Slimani. Je remercie plus particulièrement Momo Agda, parce que grâce à lui, depuis qu'il est arrivé, mes passes sont. Trop épreneur, hein, à défaut de donner des belles passes à Nice ou à Vince. Non, je rigole, je remercie tout le monde. J'aurais voulu en mettre davantage, mais bon, c'est déjà pas mal. La prochaine, je serai là dès 14. 14 passes des 500 euros? Non. On passe à la prochaine catégorie du meilleur buteur. Sans surprise. On va trouver la bonne personne. Mais sachez que l'équipe a fini 3ème meilleure attaque. Deuxième meilleure attaque. Voilà. Après, tu peux aller chercher le trophée. Après 8 matchs ratés. J'ai une petite source. J'ai la main. Mes deuxième meilleure attaque après ou avant les 31 buts? Non, mais pas, on peut pas tricherie là. Et donc, le vainqueur est. Monsieur Anis Benazouz. Merci l'équipe. Merci. Bon, moi, c'est triplé avant dernier match. C'est grâce à vous tous, hein. Quatrième. Grâce à vous tous, hein. Quatrième en attaque. Ouais, je fais le discours. Quatrième en attaque. Ouais, bah sinon, je fais plus de discours. Hein. Vas-y, on écoute. Non, mais un grand merci à vous tous. Vraiment, jeu d'équipe, on finit champion. J'ai pas fait le bâtard, hein, je t'ai fait des passes, voilà, j'aurais pu creuser l'écart avec Momo, parce que Momo il revenait fort, voilà. Mais en tout cas, merci à tous les gars, voilà. Merci. Pour le trophée de révélation de l'année, a été pris en compte le fait que c'est une personne auquel on n'attendait pas à ce niveau-là. Non. C'est une personne qui a mis tout le monde d'accord. Oumarou. Et j'ai pas envie de faire ça. Et sachez que lors des ça a été très tendu. Jusqu'à avant, ça n'est pas vraiment c'était qui. Mais je te laisse aller chercher le trophée. Moi je disais que. Elle est trop belle. Alors les gars, elle est pas le trophée. T'as pas une meuf toi.
Alors les gars, après je le prends ou quoi? Après des votes très tendus et serrés au niveau des votes. Ah ouais, je fais bien. T'as moi avec ceux qui votent et qui changent leur vote à la dernière minute. J'ai pas changé mon vote. J'ai pas dit toi. Mais pourquoi tu me retiens? Bah j'ai envie. Ah, bon, continue. Du coup, voilà, le trophée est remis à monsieur Noad Korchi. On enlève le bonheur du RSDF un peu. C'est l'aveugle qui parle. Merci les gars. Je sais pas trop comment le prendre, hein, révélation, on n'attendait pas un tel niveau, mais. Ouais bah écoute, Hassan le diabétique, pas mal. On nous tous là, parce que je suis pas le seul qui le mérite. Mérite une champion. J'ai voté pour toi. Merci les gars. Les gars, là, c'est mon plus beau. Là, on a duré le suspense. Parce que là, ce qui s'est passé, pour la chemise du bande. C'est monté, ouais. Insupportable. Oh, je suis marrant, ouais. Ouais, j'étais pas gérable. Voilà, je viens te faire le temps, mon frère. On va voir ça arrive un peu. Merci. Pour le trophée du Ballon d'Or, le Ballon d'Or de l'année qui a été élu par 21 personnes, 22 personnes. D'accord. Le classement, il a été fait de la manière suivante. Le premier, le troisième de votre top 3 avait 1 point. Le deuxième, 3 points. Le premier, 5 points. D'accord. De là sont sortis au total 6 noms. Oh. D'accord. Un peu plus, mais j'en ai retenu 6. Je suis bon, quoi. Non. Non, t'es pas bon. Il y a 6 noms. Donc la 6ème, je vais donner le classement de la 6ème à la première personne. D'accord. Un nombre de points égal de la 6ème et la 5ème personne, si je dis pas de bêtises. Non, la 6ème personne, c'est quoi? Il est sorti 6ème. Quatrième et cinquième personne ex aequo, c'est Arsène et Anis. C'est le meilleur buteur et le meilleur expo. Je pense. Ah, ouais. La troisième, celui qui arrive à la troisième place, dénominé, c'est Momo. Ballon d'argent. Pouah. Oh là c'est un moins, c'est un demi-ballon. C'est le truc ballon d'argent. Le budget. Et enfin, entre la deuxième et la première personne, ça s'est joué à 1 point. Et pour de vrai, bon, on a pas une balle. Ça s'est joué à 1 point. Je me suis dit carrément je vais voter moi. Logique. Le vainqueur, le gagnant de ce ballon d'or est monsieur Madawi Tarim. Et en deuxième position, monsieur Slimani. Mais on compte aussi deuxième meilleur buteur et deuxième meilleur passeur ou quoi? Non, non, non. Mais va te faire foutre. Bah écoute, c'est le premier trophée individuel de ma vie, hein. C'est pas le premier titre que j'ai fait. Du coup, en tout cas, celui-ci, il était magnifique. Donc, merci à vous. J'espère qu'on a bien fait kiffer les petits, parce que c'était un peu notre ADN avec Adil. On voulait faire vraiment kiffer le groupe. Donc, dès le début, on s'est dit, vas-y, on fait le taf jusqu'au bout. Et je pense que... je me suis investi personnellement, vous savez tous, pendant le ramadan, je joue pas, voilà, j'ai tiré la langue, notamment chez Tremblay. Hein, Vince, quand il a fallu t'arrêter, frérot, c'était le seul match, tu m'as tué. Hein.
Donc moi je dis juste c'est un titre individuel, mais pour le coup c'est vous qui m'avez fait kiffer. Et je dis juste bravo pour ce que vous avez fait, parce que c'était vraiment une très 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 belle saison. Et comme je le dis à tout mon entourage, c'est le groupe qui fait tout. Et c'est juste un plaisir de vous voir, même en dehors du boulot, en dehors du terrain, excusez-moi. Juste en dehors du terrain, donc franchement super. Bravo à tous.